Chers fantômes, bonsoir à toutes et tous et soyez les bienvenus. Cinquième chronique de la grande entrée, certes, mais aussi centième vidéo de la chaîne. Pour cette occasion unique entre toutes, je souhaiterais vous présenter un film adapté d'une histoire d'épouvante classique. Un conte fantastique qui pourrait attirer sur lui une toute nouvelle attention grâce à l'arrivée prochaine d'une adaptation au format série par Mike Flanagan pour la chaîne Netflix. Son auteur, Edgar Allan Poe. Considéré à juste titre comme l'un des plus grands écrivains américains, cet éminent personnage, à la destinée tragique et ayant laissé dans son sillage la légende d'un poète maudit, plus ou moins sulfureux et décadent en fonction de ses biographes et surtout de ses détracteurs, a vu son œuvre littéraire adaptée à de nombreuses reprises, souvent très librement, en particulier lors de l'âge d'or d'Hollywood. Citons par exemple pour les studios Universal dans les années 1930, Double assassinat dans la rue Morgue, Le Chat Noir ou encore Le Corbeau, tous mettant en scène les légendes de l'horreur que sont Bela Lugosi et Boris Karloff. Ou encore plusieurs adaptations du Cœur révélateur, dont une en version animée. Certains réalisateurs, bien plus passionnés par le personnage qu'était Edgar Allan Poe, lui ont même consacré des longs-métrages biographiques, comme D.W. Griffith en 1910 et Harry Lachman en 1942. Mais si la pérennité de l'œuvre fantastique de l'auteur a pu survivre jusqu'à nous et inspirer des réalisateurs typiques du genre horrifique comme Lucio Fulci, George Romero et Dario Argento, c'est avant tout grâce aux adaptations d'un autre réalisateur, aujourd'hui connu dans l'histoire du cinéma comme étant le pape de la série B et ayant lancé les carrières de réalisateurs de renom tels que Francis Ford Coppola, Martin Scorsese ou encore Joe Dante. Un homme qui, à l'aube des années 1960, réalisa le premier de toute une série de films inspirés de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, relançant au passage la mode du gothique au cinéma et proposant l'une, si ce n'est la meilleure, des adaptations de ce grand artiste du macabre. Chers fantômes, c'est avec joie que je vous invite à taper lourdement du poing contre la porte de la crypte et à découvrir en notre compagnie La chute de la maison Usher, signée Roger Corman. L'histoire se déroule sur une lande désolée, quelque part aux États-Unis, et suit l'arrivée du fringant Philip Winthrop au manoir de la famille Usher, une vieille bâtisse branlante et délabrée, afin d'y retrouver l'élu de son cœur, la belle Madeline, qu'il compte ramener à Boston pour convoler avec elle en juste noces. Mais sur place, le jeune homme se retrouve confronté au frère de Madeline, et aussi maître des lieux, Roderick Usher, un individu étrange et fragile, contraint de s'isoler du monde à cause d'une hypersensibilité qui semble menacer sa santé physique comme mentale. Pensant sa ligne maudite et persuadé que sa fin et celle de Madeline sont imminentes, voués qu'ils sont à être bientôt ensevelis par la maison, Roderick tente de persuader Philippe de renoncer à sa sœur et de quitter le manoir. Mais fermement décidé à n'en rien faire, le fiancé de Madeline va peu à peu découvrir les secrets que recèle la maison Usher et la supposée folie qui accable leur famille. Sorti en 1960 et tourné en l'espace de 15 jours seulement pour la compagnie American International Pictures, ou AIP pour faire court, La chute de la maison Usher est une véritable pierre angulaire du cinéma fantastique américain. Son succès entraînera la réalisation d'un cycle de 7 films entièrement consacrés à Edgar Allan Poe par Roger Corman, tourné en l'espace de 5 ans seulement. Notons tout de même que l'une d'entre elles, La malédiction d'Arkham, est davantage une adaptation d'H.P. Lovecraft, mais c'est une autre histoire. Originellement publiée en 1839, la nouvelle d'Edgar Allan Poe a alors déjà fait l'objet de 2 adaptations, toutes deux en 1928, la première par le réalisateur français Jean Epstein, et la deuxième pour un court-métrage à visée universitaire par Melville Weber et J.S. Watson. La force fantastique du récit réside ici dans le titre même de la nouvelle, comme du film. La chute peut aussi bien faire référence à la bâtisse en elle-même qu'à la lignée des Usher. La théorie amenée par Corman dans sa version étant que l'un influe forcément sur l'autre, soit par le biais du surnaturel ou par le poids de l'hérédité des personnages sur leur inconscient. Une limite que Edgar Poe lui-même ne s'est jamais tout à fait permis de franchir, et ici tout à fait libre d'interprétation. Avant de nous intéresser au film lui-même, abordons tout de même le cas Roger Corman et la genèse de La chute de la maison Usher, car le bonhomme est à peu près aussi passionnant que son cinéma. Au moment d'entamer la production de la maison Usher, Roger Corman est loin d'être un réalisateur débutant. À l'âge de 34 ans seulement, il a déjà plié pas moins de 25 longs-métrages, pour la plupart des films d'exploitation en noir et blanc diffusés en double programme. Le secret de son succès? Une capacité à travailler vite, très vite, avec un vrai sens de la débrouillardise, et toujours peu, très peu de budget. Bourreau de travail, optimiste et aussi futé qu'un renard, Corman se voit proposer par les deux producteurs d'AIP, James H. Nicholson et Samuel Z. Harkoff, la réalisation de 2 nouveaux films d'horreur, genre toujours porteur sur le plan commercial, et tourné comme ses précédents films, en noir et blanc, et pour une somme de $100 000 chacun, ce qui même à l'époque constitue déjà une broutille.
Cependant, lassé du travail à la chaîne et sentant un vent de changement souffler sur le cinéma fantastique, notamment avec les récents succès rencontrés par les flamboyants films gothiques de la Hammer et l'arrivée des télévisions couleur dans les salons américains, Roger Corman suggère à ses deux producteurs de consacrer l'entièreté de leur budget non pas à deux, mais un seul long métrage, entièrement tourné en couleur et en cinémascope, le tout basé sur une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Nicholson et Arkoff, dont la réputation de pingre n'est alors plus à faire, ne sont pas convaincus. Le procédé leur semble coûteux, et Edgar Allan Poe, un auteur que les adolescents se coltinent déjà en études à l'école, représente selon eux un sujet peu susceptible de ramener leur cible première, le jeune public, dans les salles de cinéma. En bref, pour ces deux gros bonnets avides de pognon, tout ça est un petit peu trop intello pour être vraiment bankable. Toutefois, Roger Corman dispose dans sa besace de deux arguments de poids pour convaincre les avares hommes d'affaires. L'œuvre d'Edgar Allan Poe est dans le domaine public, ce qui signifie que les droits d'adaptation ne leur coûteront pas un centime, et, pour contrer à leurs craintes, le film se vendra forcément tout seul le nom d'Edgar Allan Poe, jouissant déjà d'une popularité retentissante, ce qui, d'un point de vue publicité, est tout bénef pour tout le monde. C'est bien connu pourtant que la production d'un film gothique d'époque, ça coûte cher, mais c'est sans compter sur les autres talents de Roger Corman. Un sens de l'économie depuis devenu absolument légendaire, et la capacité innée à savoir très bien s'entourer. La nouvelle d'Edgar Allan Poe faisant à peine plus de 10 pages, il convient d'enrichir le récit. Pour ce faire, Roger Corman va s'octroyer les services d'un autre écrivain, qui a lui aussi biberonné l'œuvre d'Edgar Poe depuis son plus jeune âge, le génial Richard Matheson, à l'époque déjà responsable de deux grands romans fantastiques, L'homme qui rétrécit, et surtout, Je suis une légende, qui sera adapté en 1964, aussi pour le compte de l'AIP, avec dans le rôle principal l'acteur Vincent Price, également interprète de Roderick Usher dans le film, sur lequel nous allons bien sûr revenir. Richard Matheson, qui quelques années plus tard, publiera un excellent roman de maison hantée, La Maison des Damnés, dans lequel une étrange et lugubre bâtisse exerce son influence néfaste sur un groupe de personnages, à moins que ce ne soit l'inverse. Qui a influencé quoi ? Mystère. Pour faire tenir l'histoire d'Edgar Poe dans 1h20 de film, le scénariste commet quelques entorses à la nouvelle d'origine, donnant par exemple une identité claire et définie au personnage de Philip Winthrop, joué dans le film par Mark Damon, qui n'est plus ici le meilleur ami de Roderick Usher, mais le soupirant de sa sœur Madeline, interprétée par Myrna Fay, réduisant ainsi l'aspect incestueux du récit de Poe au profit d'un triangle amoureux et d'un jeu d'influence perverse dont l'objet n'est autre que l'infortunée jeune fille. Pour souligner la chose, un ajout de scénario, sur lequel Matheson insiste beaucoup, les qualités de peintre de Roderick Usher, qui renvoie étrangement à une autre nouvelle d'Edgar Allan Poe, le portrait ovale, dans laquelle un homme obsessif peint son épouse tant et si bien que celle-ci finit par en mourir. C'est qu'en plus de sa galerie de défunts ancêtres, Roderick Usher peint également un tableau représentant sa sœur Madeline, celle-ci semblant par la suite étrangement dépérir, comme si la toile la vampirisait d'une certaine manière, la précipitant prématurément au tombeau, l'empêchant ainsi de le quitter, de partir avec Philip Winthrop et de répandre ainsi la malédiction des Usher par le sang. En effet, pour justifier la paranoïa du personnage de Roderick, Richard Matheson a fait de la dynastie Usher une longue descendance de crapules et de maniaques en tout genre, une hérédité que le fragile frère pense être retombée sur sa sœur Madeline, dont il espère que la mort mettra fin à une lignée dont le sang maudit a depuis perverti les alentours d'une propriété autrefois verdoyante, et qui s'apprête donc à les engloutir tous les deux à jamais. À moins que Roderick, fou et éprouvant une jalousie maladive, ait inventé tout cela, peignant lui-même toutes ses toiles et dépeignant toutes ses histoires, afin de garder Madeline à ses côtés, exerçant ainsi sur elle une influence néfaste que l'on qualifierait aujourd'hui de perversion narcissique. Un archétype de protagoniste que l'on retrouve par ailleurs souvent au sein de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, comme dans Le Cœur Révélateur, William Wilson ou même Le Chat Noir. Anecdote amusante, les toiles du film sont expressément signées par l'artiste Burt Schoenberg, que Corman a rencontré au cours d'une exposition de son œuvre dans un bar et qu'il a précédemment fait travailler dans son film Un baquet de sang, où un personnage d'artiste assassin découvre un chat prisonnier à l'intérieur d'un mur, déjà une énorme référence au fameux chat noir signé Edgar Poe, signifiant déjà pour Corman un certain attrait pour son œuvre. D'après Roger Corman, l'artiste traversait alors une période difficile, et les tableaux qu'il a peints à cette occasion représentaient selon lui un bon reflet de sa psyché. Exactement comme celle de Roderick Usher sur ses toiles, mais aussi sur la maison, comme nous allons le voir par la suite. Là encore, la vie imite l'art, l'art imite la vie, et on ne sait pas tellement qui influence quoi. Pour bien insister sur ce motif de l'influence au sein de la maison Usher, le film, comme le manoir, deux artistes tiennent une place très importante.
D'abord, le chef décorateur David Haller, qui là aussi, pour pallier à un budget serré, a dégoté tout le mobilier du film lors d'une vente aux enchères organisée par les studios Universal pour environ 2 500 $. Les plus attentifs remarqueront que, là encore par souci d'économie, certaines pièces de mobilier sont transplantées d'un décor à un autre, pouvant donner l'étrange impression que les objets se déplacent d'eux-mêmes dans la maison. Autre anecdote, David Haller passera par la suite derrière la caméra pour réaliser pour le compte de l'AIP non pas des adaptations d'Edgar Allan Poe, mais d'un autre écrivain d'horreur, Howard Phillips Lovecraft, avec tout d'abord Le Messager du Diable, adapté de La Couleur tombée du ciel, puis Horreur à volonté, dérivé de L'Abomination de Dunwich. L'autre artisan essentiel, c'est le chef opérateur Floyd Crosby, dont le travail sur la couleur fait de véritables merveilles sur le plan symbolique. Là aussi, on va y revenir par la suite. Crosby, qui, après avoir été directeur de la photographie pour le compte de grands studios, ayant travaillé sur des films aussi prestigieux que Tant qu'il y aura des hommes ou Le train sifflera trois fois, a été malheureusement blacklisté par le tristement célèbre McCarthyisme, qui l'accusait d'accointance communiste. Ayant atterri chez Corman, ainsi frappé du sceau de l'infamie, celui-ci put alors être engagé à moindre coût. Là encore, une aubaine pour les budgets très serrés d'AIP. Comme quoi, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Bon, rassurez-vous, on va s'attaquer à la symbolique du film, mais vu qu'on n'arrête pas de la ramener avec le budget, dans quoi est-il englouti exactement? Eh bien, tout simplement, son interprète principal, l'acteur Vincent Price, alors une véritable star de l'horreur, dont le nom seul justifie la rentabilité d'un film, et dont le cachet représente pas moins d'un tiers du budget de la maison Usher. Après avoir déjà incarné le profil du noble narcissique dans le très beau film gothique Le Château du Dragon, réalisé par Joseph Mankiewicz en 1946, le comédien se fond ici entièrement dans le rôle de Roderick Usher, allant même jusqu'à perdre plusieurs kilos, raser son indissociable moustache et se teindre les cheveux pour se glisser dans la peau de ce personnage aussi fragile que troublé, qui porte littéralement le film grâce à son charme magnétique et dont la présence déteint automatiquement sur toute la photographie, en partie grâce à sa robe de chambre rouge. Une couleur qui, au sein de décors majoritairement grisâtres, va marquer la pellicule, ainsi que l'influence du personnage de Roderick sur la maison et les autres protagonistes de l'histoire. Par le biais des costumes signés Marjorie Corso et la photographie de Floyd Crosby, le rouge, qui caractérise d'entrée de jeu Roderick Usher dès sa première apparition, se devine ensuite très nettement sur d'autres éléments de décor au sein du film, comme les bougies, les rideaux ou les verres en cristal, des éléments de décor délicats, fragile ou éphémère, symbolisant à la fois l'omniprésence funeste du sang supposément maudit de sa lignée, mais annonçant également la fragilité relative qui le menace, lui, comme Madeline. Un motif tout à fait parlant de cette influence de la couleur se dessine par ailleurs sur les tenues des trois personnages principaux, dès le début du film. Roderick, tout de rouge vêtu et voulant empêcher Madeline de partir, s'oppose à Philippe, habillé en bleu, celui-ci souhaitant l'emmener avec lui. Madeline, de son côté, porte un ensemble rose, soit le mélange des deux autres couleurs, symbolisant alors un personnage tiraillé entre deux volontés. Notons également que les scènes où elle est elle-même entièrement vêtue de rouge sont celles où elle semble se montrer la plus docile vis-à-vis de Roderick, comme si elle n'avait presque plus de volonté propre. Intéressons-nous tout particulièrement aux bougies rouges mentionnées un petit peu plus tôt, car elles sont sans nul doute l'élément de décor revenant le plus souvent au sein du film, et préfigurant très probablement la folie en devenir de Madeline, après que Roderick l'ait enfermée dans un cercueil en la prétendant morte, ultime pirouette de possessivité de sa part. Tout comme une bougie se consume en commençant par son sommet, la tête de Madeline, son esprit donc, sa raison, à force d'être tiraillée, va finir par se consommer symboliquement et s'éteindre, après que Roderick l'ait prématurément mise au tombeau. Devenue littéralement folle d'avoir été enterrée vivante, la jeune femme réapparaît hors de son tombeau comme une revenante, sauvage et incapable de se raisonner pour se venger de son frère. Elle apparaît alors couverte de stries rouges, qui pourraient évoquer de la cire de bougie fondue. D'où ce plan, juste avant le macabre retour de Madeline, où une bougie est soufflée par le vent, signifiant que sa raison s'est définitivement envolée. En extrapolant un peu, on pourrait même aller jusqu'à dire que le prénom Madeline se compose, en anglais, de deux mots bien spécifiques. Mad, fou donc, et line, une ligne. Comme si sa santé mentale ne tenait qu'à un fil, ou qu'il suffisait au personnage de dépasser une ligne pour franchir définitivement le seuil de la folie.
Contrairement au livre, c'est d'ailleurs par un incendie que le film s'achève, symbolisant alors que c'est bien la folie réprimée au sein des murs de la maison, la flamme d'une bougie devenue incontrôlable, qui provoque finalement sa chute. Autre petite anecdote amusante, ces plans d'incendie sont ceux d'une grange en friche, à laquelle Roger Corman a pu mettre le feu contre $50 offerts à son propriétaire, des plans dont il était tellement fier qu'il les réutilisera dans presque tous les autres films de son cycle Edgar Poe, sans s'imaginer une seconde que ces films marqueraient suffisamment les mémoires pour entrer dans l'histoire du cinéma et que tout le monde remarquerait l'astuce par la suite. Un truc, comme qui dirait, gros comme une maison. De la même manière, les décors désolés de la scène d'introduction, où Winthrop approche de la maison Usher, ont été tournés sur les lieux d'un véritable incendie, après que Corman ait entendu la nouvelle de l'incident à la radio en plein milieu du tournage. Pour le pape de la série B, vous l'aurez compris, l'occasion fait le larron. En termes de vêtements et de couleurs, on note chez Roderick Usher deux tenues. La rouge, plus cintrée, dans laquelle il semble souvent en souffrance et hésitant, et la noire, portée ouverte et laissant son jabot blanc libre. Des scènes où il se montre plus loquace et se livre à Winthrop sur la maison comme étant l'une des causes de leur malheur, comme si sa voix était en quelque sorte libérée d'une forme d'étranglement, peut-être occasionnée par la bâtisse elle-même. D'ailleurs, cette maison finalement, elle est vivante ou pas? Eh bien, rien dans le film ne laisse présager qu'elle le soit réellement. Chaque événement troublant qui s'y déroule peut tout à fait s'expliquer par une simple coïncidence ou par la folie de Roderick Usher. Par exemple, le domaine entourant la maison peut tout à fait être aride parce que le propriétaire des lieux, pris de folie, a complètement négligé de s'en occuper, pas parce qu'elle est maudite. Après tout, il ne semble y avoir qu'un seul domestique pour gérer toute la bâtisse. Si la maison Usher tient dans le film le rôle de personnage à part entière, c'est qu'elle est, comme on l'a dit plusieurs fois sur cette chaîne et comme dans tout récit gothique qui se respecte, le reflet de l'inconscient collectif de ses habitants. La scène centrale du film, une séquence de cauchemar, est particulièrement éclairante sur ce point. Dans ce rêve morbide, filmé à la manière de l'expressionnisme, sans doute la scène la plus macabre du film grâce à son design sonore fait de gémissements lugubres, Philip Winthrop descend dans le caveau des Usher, habité par les fantômes de tous les ancêtres de la famille, et entrevoit Roderick subtiliser le corps de Madeline contre celui d'un squelette. Les fantômes tentent alors de retenir Winthrop de force, indiquant qu'il se débat avec les histoires d'hérédité malsaine que Roderick lui a racontées et qui tente de le tenir loin de la vérité, à savoir que la mort de Madeline a été simulée et que celle-ci a été enterrée vive. Toute la séquence est par ailleurs baignée dans un mélange de couleurs qui symbolise les personnages, illustrant à nouveau cette lutte entre les deux hommes. Et lorsque Winthrop se réveille enfin au son des coups donnés par Madeline sur son cercueil, il est accueilli par un éclair bleu, là encore la couleur rattachée à son personnage, indiquant que c'est lui qui est dans le vrai. D'où l'expression « un éclair de lucidité ». Cette lecture quelque peu psychanalytique du film n'est pas tout à fait anecdotique, à plus forte raison que ce genre de scène onirique réapparaîtra par la suite dans d'autres films du cycle Edgar Poe, Roger Corman ayant lui-même admis avoir à l'époque débuté une thérapie. Mais après tout, la beauté et l'effroi générés par le film reposent aussi dans la théorie inverse. La maison peut parfaitement avoir fait entrevoir la vérité à Winthrop et ressusciter Madeline du tombeau, tout comme elle peut avoir aussi provoqué l'incendie en faisant éclater le feu depuis la cheminée et avoir elle-même précipité sa propre destruction. Un doute que Edgar Poe, si on lit bien entre les lignes, a lui aussi voulu semer, mais que Roger Corman et ses équipes ont, c'est mon avis en tout cas, rendu encore plus incertain. Preuve d'un certain brio de sa part, suite au grand succès remporté par le film, qui a rapporté plus de 4 fois sa mise initiale, Roger Corman, jusqu'ici considéré comme un réalisateur de genre et de seconde zone, est salué pour son travail par la presse cinématographique. Suivra, en 2005, la classification de la chute de la maison Usher à la National Film Registry, pour son importance historique, esthétique et culturelle. Je ne saurais décemment vous quitter sans vous recommander très chaudement le coffret intégral des adaptations d'Edgar Allan Poe par Roger Corman. Vous y retrouverez, en plus d'un livre et d'un documentaire, l'intégrale des 8 films du cycle, dans des copies impeccables, bardées de bonus passionnants et d'intervenants passionnés, pour vous rappeler au bon souvenir de la beauté macabre du merveilleux cinéma gothique d'antan. Thank you.
chers fantômes, à très bientôt pour une nouvelle chronique dans La Grande Entrée. D'ici là, n'oubliez pas que la bonne atmosphère pour regarder un film d'horreur, c'est un petit peu comme prétendre que le cinéma gothique est un peu comme les maisons qu'il met en scène, vide et poussiéreux. Mieux vaut la mettre en veilleuse.